Mais, c'est qui commence ? Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de C'est qui commence ? Ouais, une vidéo qui va être la dernière pour un petit moment parce que je déménage, je pars dans le sud. Voilà, ça y est, c'est fini Paris. À moi la nature, à moi la verdure. Je pars dans le Gers. Donc, je voulais quand même finir ma petite série de vidéos sur Malifaux et les petites bestioles que j'ai pu peindre. Vous avez vu en jeu avec Fred la partie qu'on a fait. C'est trois personnages en jeu, mais de loin. Donc, je voulais vous les montrer quand même de plus près pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, nous avons les crieurs qui sont ici. Donc on a ici le petit gars avec sa cloche. Donc comme je vous avais dit, je l'ai mis sur sa petite cloche en train de taper en mouvement. Une figurine bien dynamique. J'ai essayé de refaire le cuivre de la cloche. Je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré. Bon, bien sûr, on a toujours les lignes de collage. Parce que moi, ça me fait chier un peu de faire toutes ces lignes. Donc je laisse comme ça, et franchement, sur la table, ça se voit pas trop. Bon, bien sûr, c'est vrai que quand on s'approche, c'est pas le top, parce qu'on voit toutes les lignes. Mais bon, ça va, quoi. J'arrive pas à vous montrer la tête de près. Ah, voilà, le petit bonhomme de près. Guy, en train de sonner et de perturber tout le monde sur le champ de bataille. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième que je vous avais montré, monté, avec tout l'emberlificotement de jambes, de bras, de tête, de pieds, d'oreilles. Donc le voici une fois peint. Et pour rigoler, j'ai rajouté une petite peau de banane en milliput que j'ai mis entre ses pattes. Donc, petite gamelle à venir. Et donc voilà ce que ça donne de près avec le super porte-voix. Et les deux bonhommes les uns sur les autres. Donc voilà, le deuxième, crieur, bon, les deux, parce qu'ils sont deux en fin de compte. Hein. Voilà, et le dernier, celui que j'aime le moins, parce que vous avez vu, j'ai fait du rouge pour les costumes, normalement il y avait un qui était rouge et bleu. Mais alors le bleu, c'était vraiment horrible à faire. J'ai un problème avec le bleu, j'arrive pas à faire des belles choses, donc comme vous voyez, c'est assez dégueulasse. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait, bon, bah, je vais passer sur autre chose parce que le bleu, c'est pas possible. Donc là, on a celui qui est sur le cochon. Cochon que voilà. Donc je les ai peints séparément. Et après, je les ai collés l'un sur l'autre. Donc voilà, le petit cochon. Et franchement, vous voyez, la pose, elle est pas top. Hein. J'aime pas trop ce mec. Il est, je sais pas, j'aime pas la pose de celui-ci. Donc le voilà avec les yeux rouges, lui. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les trois crieurs. Et les trois derniers que j'ai pu faire, les Akaname. Et eux, moi, je suis pas mécontent. Hein. C'était assez vite fait parce que c'est le même schéma de couleur pour les trois. Donc on pouvait les peindre en série. Donc voici le premier, avec la langue, avec un petit vernis brillant. Et c'est celui qui cherche dans les poubelles. Donc le voilà. Toute sa splendeur. C'est assez crado comme bestiole. Hein. On dirait un gros poupon. Les fesses, tout ça, là. Voilà, le premier. Le deuxième, avec la petite pomme. Donc, c'est celui qui a la langue super bien tirée. Le problème, c'est qu'il a une super bouche grande ouverte, mais quand on le regarde de face, il regarde en bas. Donc, il aurait mieux valu qu'il ait une pose un peu plus sympa, parce que, regardez cette bouche. Ça aurait été sympa de l'avoir... de plus haut, quoi. Donc là, on le voit de profil comme ça, ou à la langue, mais je sais pas. Ça aurait été sympa de le voir avec la tête un peu relevée, comme celui-ci, par exemple. Lui, par contre, voilà, lui, on le voit bien de face, la gueule bien, bien ouverte, et il est pas mal. Donc voilà mes trois petits gars, les trois derniers de la série. Donc là, je suis en train de faire les cartons, j'en ai partout. Et j'allais attaquer les figurines à mettre en boîte avec du coton, de la mousse et tout. Et donc, je me suis dit, je peux pas partir comme ça, je vais leur faire une petite vidéo quand même. Donc voilà, après, bon, moi j'emménage maintenant le 13 janvier du côté de Hoche.
Et donc, le temps que je sorte les cartons, parce que là, je vais être en location avant de trouver une autre maison. Et le temps que je vais avoir tout qui va être dans des cartons pendant un bon petit moment. Donc, je ne sais pas trop quand j'aurai l'occasion de refaire des vidéos. Pour la partie avec Fred, je suis désolé, on a fait le premier tour. C'était une vidéo super longue. Elle mettait 3 heures à uploader et tout. Donc, j'ai eu la flemme de m'y mettre à faire la suite. Et du coup, je pense qu'on aura le premier tour et peut-être le deuxième dans longtemps. Donc voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Là, je pense qu'il va y avoir une petite pause d'au moins 6 mois, je pense. Hein, ouais, parce que le temps que tout se mette bien en place dans ma nouvelle vie, il va y avoir un petit moment qui va passer. Ne vous désabonnez pas, je vous en supplie, je reviendrai. Voilà. Ciao à tous et à plus tard.